Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous présentons rapidement les nouveautés de la version 9.3 de Novalis. Tout d'abord, la possibilité d'ajouter sur la page de connexion une annonce, comme on peut le voir sur le site de démo. Cela permet d'avertir les utilisateurs pour une maintenance ou de faire une annonce importante. Par exemple, ici, on indique comment on peut se connecter. Ensuite, voici les améliorations du tableau de bord. Il est possible de choisir les éléments que l'on veut afficher en cliquant sur le bouton « Personnaliser ». On peut les organiser simplement en faisant du drag and drop. On peut aussi afficher plusieurs fois un rapport. Maintenant, parlons des pièces justificatives ou les numéros de pièces. Elles peuvent être suggérées automatiques ou manuelles. Alors la grosse différence, c'est que les automatiques sont calculées pour vous. Vous ne pouvez pas les changer. Le système vous les donne. Les suggérer, on vous suggère le numéro de pièce, mais vous pouvez le changer. Et évidemment, ici, en dernier lieu, la manuelle, c'est-à-dire qu'on ne vous donne rien du tout. Un journal, vous pouvez aussi donner le nombre de chiffres que doit contenir un numéro de pièce. Par exemple, ici, nous prenons 5. Puisque 268 est trop petit, on ajoute 2 zéros avant. Et finalement, ce qui concerne la TVA, on peut vérifier directement si un numéro de TVA est valide pour l'intracom. Autre changement, dans les résumés TVA, par exemple ici, on peut directement avoir le détail des opérations utilisant un certain code TVA. Par exemple ici pour 0A. Voici un nouveau menu qui permet de trouver le détail de la TVA en recherchant par code, date et journal. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir.